Quels sont les actes médicaux réalisés dans les consultations de suivi de grossesse et à quoi servent-ils ? À l'ONE, les examens de suivi de grossesse se déroulent lors des consultations prénatales. Vous en trouverez dans votre quartier ou dans les hôpitaux. Ces consultations sont gratuites et accessibles à toutes. Vous y serez accueillis et suivis par un gynécologue ou une sage-femme, ainsi que par un partenaire enfant-parent, PEPS. Leur but est de veiller au bon déroulement de votre grossesse et à la santé de votre bébé. Nous mesurons la tension artérielle de la maman et nous prenons son poids et on analyse les urines avec une tigette urinaire. On va également s'assurer que le col de l'utérus reste fermé par un toucher vaginal ou une échographie du col et on doit parfois réaliser quelques frottis. Et pour s'assurer que bébé grandit bien, on mesure la hauteur de l'utérus de maman et puis on écoute les battements de cœur dès que c'est possible. Comment la future maman peut-elle se préparer à un examen gynécologique ? Chaque maman est différente et chaque patiente a des besoins spécifiques. Donc nous, notre rôle, c'est vraiment de discuter avec elle en début de grossesse, en début de consultation, pour savoir comment ça va se passer pour elle, si elle a des stress particuliers. Et on essaye vraiment de s'adapter, de bien lui expliquer. Et puis certaines patientes ne veulent aucune explication, donc là, on est le plus bref possible. Et vraiment, le but, c'est d'avoir une relation de confiance et de, voilà, qu'elle puisse être détendue. Et si malgré tout, l'examen n'est pas possible pour elle, alors on peut s'abstenir et le reporter à plus tard. On ne va jamais la forcer. Grâce aux différents examens pratiqués lors des consultations prénatales, le gynécologue ou la sage-femme vérifie si votre bébé se développe bien dans votre corps et s'assure aussi de votre santé. Le partenaire enfant-parent, lui, est là pour vous écouter, vous rassurer et répondre à toutes vos questions. Rendez-vous sur la page web R de Famille, Santé, l'examen obstétrical pour en savoir plus à ce sujet. Retrouvez R de Famille chaque semaine dans Soir Mag et Soir Mag Plus.